Thank you.
Je pense que ce sera pour les communes de France et encore une fois, je vous
avoir le compte des dates avant l'été pour se préparer et reprendre.
rentrer sur le terrain, tout doit rentrer évidemment aux plus petits d'entre eux qui pénètrent par la première fois dans les écoles. Donc, dès que le jeu se soumet à notre assemblée, qui sera transféré par la famille, que ça ne fait pas dans le jeu national, bien sûr, aux directeurs des écoles concernées, à notre inspectrice locale et aux générations parallèles. Y a-t-il une demande de parole sur ce vœu, monsieur Bourgane? Sur le problème des ouvertures de classe, parce qu'en fait, c'est pas un problème de nouveau.
largement par le niveau de classe. Et sur les réseaux des écoles, on a largement la place pour les accueillir, sur la maternelle ici, comme sur la maternelle, je veux dire, professeur. Hein. Donc, ce n'est pas un problème de locaux. Dans le nord de la ville, on a malheureusement eu des manières de faire des tours de place, des manières de fréquentation des écoles, c'est par cycle. Il y a un moment où on est souvent en saturation, puis 3 ans après, on ferme des classes. Je mets le vœu au voix, qui est contre, personne qui s'abstient, personne, merci, nous transmettrons donc la vie des droits. Des questions orales, première question, madame Hélène. Monsieur le maire, il y a quelques mois, on m'a acheté le tampon d'alarme à accidentellement été déclenché. Il s'agissait de l'alarme incendie. Ce jour-là, se tenait le sang des élus. Plusieurs minutes se sont écoulées avant que la sirène ne soit arrêtée. Il y a eu une panique de la part des commerçants, de la part des clients, ce qui les isolait. Et force est de constater que tout le monde était sur le marché, y compris les élus dont je faisais partie, dans une quasi-indifférence en continuant à bâtir cette situation. Que se serait-il passé si on s'était acheté un accident, puisque ce n'était que se serait-il passé si le CPA agi d'un incident, puisque ce n'était ni un accident, incendie ou autre, ni un exercice d'évacuation, la population n'étant pas apparue comme particulièrement sensible à l'alarme, qui était prévu en cas d'incendie dans un des deux marchés, ce qui expliquait qu'en plus fermé que celui de Biancourt, les exercices d'évacuation sont envisagés. Combien de personnes sont-elles chargées de la sécurité sur le marché? Je vous remercie. Merci. Monsieur Béni, ça va répondre. Chers collègues, vous avez entendu les éléments du maire sur la sécurité des deux marchés alimentaires et situés dans les restaurants. Ces deux marchés disposent de systèmes de détection incendie conformes à la réglementation relative à la sécurisation qui sont contrôlés de manière systématique par des organismes agréés. Auquel vous faites allusion, s'intitule en réalité
assistance est déplacée. Je défie quiconque dans cette assemblée de montrer le moindre égard, le moindre manque de respect à la dignité de qui que ce soit, dans un seul de mes discours, une seule de mes positions ou actions au cours de ce mandat. Les habitants de Boulogne-Billancourt savent qu'ils sont aimés et respectés, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur culture ou leur orientation sexuelle. Je n'ai pas besoin d'une politique de la pensée pour agir dans ce qui sert. Mes convictions ne sont pas là pour vous plaire, mais pour servir Boulogne-Billancourt et Boulogne. Comme vous le soulignez,
Les 26,2 millions d'euros de recettes nouvelles servent à trois choses.
municipalité, monsieur le maire, nous proposons un peu par position pour que nous soyons contre l'articulement et pour tous les autres. Merci. Merci, madame Pion. Même explication de vote que ce qu'on a dit. Merci. Pas beaucoup d'observations, juste pour répondre à votre commentaire sur le point. C'est pas l'ancien président des comités des finances locales, j'espère que vous allez que je parle, qui va apporter crédit à ce genre d'article. Il suffit en une ligne, en les gestes unis, la ligne, vous avez ici le montant de la masse salariale de la lutte année après année. Vous avez le compte administratif dans votre dossier de l'UE, on l'a noté il y a un mois. Ben, vous prenez les chiffres du point, d'après eux, on devrait avoir une masse salariale de 100 millions d'euros. C'est-à-dire 1,5 million, sans modification des APCP, et si vous avez l'impression de le dire,
qui était le 6 millions, mais il était clair que ça devait durer pendant tout ça, le mécanisme, il ne savait plus ce genre de communauté. On commence par 2007, l'année prochaine, ça sera un peu plus long, etc. Par conséquent, voilà les deux raisons pour lesquelles nous votons contre cette révision du fonds de recours et contre l'opération importante de la médicament en train de blesser. Merci, nous demandons la parole. Il n'y a pas de demande de parole. Monsieur Cocal, avec le respect, je crois. C'est pas dur. En contrepartie, on aurait
candidat et le compte à l'alternance s'est abstenu sur le pacte financier. Il n'a même pas voté contre. C'est le compte rendu de l'absence du 20 décembre. Il y a un moment, d'abord, c'est pas le parti glacial, première erreur. Et deuxième erreur, c'est quelque chose qui est global. Et globalement, encore une fois, on s'y retrouve. Encore une fois, je suis surpris de ce que vous avez voté et voté pour. Voilà. Monsieur Fourcade, je vous redonne la parole. Sur l'historique, bien. Vous savez parfaitement. Et changer de vote en décembre et
une heure en transalien à partir de 13h15 en semaine et 13h30 le week-end. Effectivement, comme ça a été soulevé, c'est vrai que les boulonnaires, et tout le temps plus tard, sont marché d'exclure notamment, il y a fréquemment des gens qui arrivent à 13h15, ce qui perturbe un peu l'organisation du démonstration. Donc je mets en voie la délibération qui est contre. Personne qui s'abstient. Personne, merci, il est approuvé. Monsieur Ricard, votre signal, je vous laisse à l'instant. Monsieur le maire, monsieur le maire, je vous le dis à vous, parce que l'année dernière, le marché de Tambon, la réhabilitation du club Georges Jaurès au 163 du boulevard. C'est un peu contre le travail de travaux de poseur et la création de l'ascenseur. Donc, les travaux de la création de la consommation de l'ascenseur, les qualifications de l'assainissement de la propriété a été découverte pour le plancher et du sous-sol du club. Le positionnement de celui-ci est privé au contrat et est inconnu du propriétaire. En conséquence, les plans de pompage de l'ascenseur ont été modifiés pour adapter son fonctionnement à une recherche plus réduite et pour le charge de l'ascenseur. Cette aléa technique est prévue en présentant aux supplémentaires le plan de la loi selon le soutenement de l'ascenseur en partant de l'air, ainsi que la création d'une table de dépôt à main en partie de l'ascenseur. L'ensemble de cette prestation supplémentaire va augmenter le montant du lot du nombre en gros de dépôt de démolition maçonnerie, dont 1560 euros. On tarifie le montant de ce marché à 62 860 euros de taxes mobiles. Je vous propose d'autoriser le maire à signer de la demande relative au lot de mémoire du marché ci-dessus indiqué, passé à la société à l'entreprise générale matérielle. Je vous remercie. Avis de la commission de la municipalité de Tambon. Il a demandé de préciser que l'augmentation de cet avenant portait sur 28% par rapport au montant initial du marché. L'avis favorable de la commission de la municipalité de Tambon est l'unanimité. Merci, M. Lavrie. La commission des finances. Avis favorable pour la commission de la Merci. Une question. Non, pas de question, malheureusement, une mauvaise découverte. Donc je mets au convoi qui est contre. Personne qui s'abstient, personne qui s'est appuyé sur le droit de faire avec une boîte pour la communication sur les résultats sportifs de la saison 2012-2013, mais je vous invite à vous donner des documents sur le cadre, qui est très, très dense compte tenu des excellents résultats sportifs. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, effectivement, très très court. Depuis 2009, la présentation des résultats sportifs de la saison écoulée de l'administration, à laquelle ma collègue Christine Laval, nous souhaitons rester fidèles. Pour cause, les résultats de la saison 2012-2013 sont bons et s'inscrivent pleinement dans la continuité de deux saisons précédentes. Nos sportifs ont porté haut les couleurs de nos villes. La saison avait d'ailleurs commencé très fort, avec deux médailles d'argent en jeu par la Ligue à Lyon, Stéphane Mathieu, Valentin Lyon, la 29e médaille olympique de la CBB et Aki Maneski en 6e. Le cap était levé. Alors les résultats sont tellement bien riches à l'anniversaire, 70 ans de CBB, 25 ans de l'Open International de tennis depuis 12 ans, et 25 ans de l'école municipale des sports. L'émergence de jeunes talents confirme l'excellence des filières de formation de notre club. Certains d'entre eux n'ont pas manqué de nous surprendre en décrochant des titres prestigieux. Nous pensons notamment à Morgane Duchesne, qui a 16 ans, qui vient d'être récemment sacré championne d'Europe qui a défendu le judo. Elle est désormais numéro 4 mondial. À Louis Attier, qui a 16 ans, qui en estime décroche une médaille de bronze au championnat de France par l'équipe. Il appartient désormais à l'une des trois meilleures équipes françaises cette année. Louis Pétri, 23 ans, qui s'empare de la médaille de bronze au championnat d'Europe. Isset Mounendo, 17 ans, qui marche sereinement sur les pales de Soria Miami. Elle est championne junior au club de France, la 6e au championnat de France première division. La nageuse Isabelle Nabou, 21 ans, qui talonne Camille Mufa et Aurélie Balmy avec une médaille de bronze au championnat de France élite. Elle est sélectionnée au mondial de cet été. Diane Barry, 10 ans, qui est désormais championne de l'Excel de tennis. Elle remporte le 24e Open International de 16 ans en ligne et demi-finaliste en simple. Chloé Poumayou, 20 ans, qui demeure le grand espoir de l'ensemble de l'Union, est
Enfin, pour terminer, nous tenons à rendre un hommage particulièrement appuyé aux entraîneurs, éducateurs, salariés et bénévoles, femmes et hommes qui sont déterminés dans la vie du club. Nous remercions également les services municipaux et tout particulièrement les agents de direction du sport et du service de la logistique. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Lotte. Y a-t-il des demandes de parole sur cette communication? Je vous félicite. Oui, M. Vincent. Nous donnions pour
grandes sections pour la piscine, donc la grande section de la Bernard et de la Saroche, les autres écoles, non, c'est pas aujourd'hui aux écoles, plus les écoles du monde. Donc on sera des sections du monde, et ça sera des. Voilà, je crois que ça va intégrer les éléments sur la piscine après et éviter d'utiliser les autres de la voie. On en est aujourd'hui, si vous on n'a pas de projet piscine, je vous le dis, on va en avoir une piscine. Je vais ouvrir la délibération qui est contre. Personne qui s'abstient, personne, merci, elle est approuvée. La convention de convention de mandat pour la réalisation du total des polices, justement, en train de dégager. Alors, mes chers collègues, dans le cadre du projet de requalification du parc des Assiens au démarche du PSO, la ville souhaite créer un local dédié aux associations sportives amateurs. Avec les actions du local, la ville est le maître d'ouvrage. Afin d'assurer la cohérence des opérations sur le parc des Assiens, il apparaît opportun que la communauté d'agglomération soit chargée de la construction du dit bâtiment. Néanmoins, la communauté d'agglomération ne disposant que de la compétence portant sur le soutien au club ou section du club sportif ayant une équipe féminine de très haut niveau pratiquant un sport collectif, il est nécessaire de conclure une convention de mandat à titre gratuit entre la ville, le club de niveau et la communauté d'agglomération. La convention de mandat est donc à titre gratuit, financement de la totalité des dépenses de l'ouvrage réalisé et à la charge de la ville. Au vu de ces éléments, il vous est proposé d'approuver le projet de convention de mandat du projet PSO. Et de l'autre, le maire a signé ses
contre ce projet. Je crois qu'effectivement, il y a un problème de méthode. On a participé à la réunion des riverains au mois de décembre, c'était un projet. Ensuite, on vote sur un autre projet à la dernière. Ensuite, la communauté d'agglomération vote sur ce local, c'est-à-dire en fait, la communauté d'agglomération vote avant nous. Je pense que les élus bourbonnais auraient été consultés en premier. Vous savez que ce projet d'aménagement, l'objet d'une concertation progressive, mais qui manque de cohérence, donc la population vote contre cette déclaration. Merci, votre droit de parole. Pour l'Orille,
l'ambition et l'impatience à laquelle le programme pour la culture répondait parfaitement. Face à l'opposition des données et à leur réaction face au projet de nouvelle, vous avez décidé les rotations de l'année dernière, vous avez fait un résultat en tête, qui a permis de faire choix d'un projet intermédiaire de 255 000 m2 constructifs sur l'île, avec un seul travaux de 110 mètres et un RDR de différents aménagements. Le maire lui-même s'est engagé en conseil municipal à revenir devant le conseil municipal pour que soit mis sous une forme juridique l'engagement et le choix démocratique des Polonais pour l'île. C'est dans ces conditions que la procédure de déclaration de projet et sa mise en compatibilité a été votée et démarrée au mois de février dernier. Et c'est ainsi qu'une enquête publique a été lancée pour permettre de vous dire aujourd'hui devant vous à la délibération que vous êtes. Cette enquête publique s'est tenue entre le 22 avril et le 1er juin 2013 à la ville de Boulogne-Billancourt. Elle a été accompagnée de nombreuses manifestations, de démonstrations du futur projet de l'île tel qu'il avait été retenu par les Boulonnais lors de la votation. Le commissaire directeur a déposé ce rapport le 21 juin dernier et nous donnons un avis favorable. Très favorable si on se penche sur les termes du rapport, avec une seule recommandation qui est de bien préciser dans les textes ce qui est fait, dans les textes de l'économie, la surface de constructibilité du grand jardin central qui est de 12 000 mètres carrés dans le document de régulation d'aménagement et de programmation. C'est donc dans ces conditions que nous venons aujourd'hui devant vous pour vous demander de vous prononcer d'une part sur l'intérêt général de la déclaration de projet relative à l'aménagement de l'Issonien avec tout ce que cela représente, c'est-à-dire la forme urbaine, la protection de l'environnement, le programme de construction, les activités culturelles qui s'inscrivent dans la agriculture avec l'arrivée de partenaires de très grande envergure internationale, et d'autre part, à trouver la mise en compatibilité du plan de l'urbanisme avec cette déclaration de projet. Merci, M. Mougin. À la commission de l'urbanisme des travaux, avis favorable de la commission, pour faire d'avance, on va participer au vote. Merci. Qui veut s'exprimer sur le sujet M. Barbeau, Mme Chave, Mme Monsieur M. Vincent, M. Gardillou, M. Corrèze, M.
moins d'un quart du droit électoral et de reste exprimé, c'est le projet de la 250 000 m² qui s'en touche à l'heure. Aujourd'hui, vous tentez à travers cette délibération de vous faire passer pour celui qui va dédensifier cette ville après avoir voulu la densifier à l'extérieur. Vous jouez donc en quelque sorte au conquis qui revient. Mais personne n'est vous. Le projet que vous proposez aujourd'hui est certes moins dense que celui que vous avez présenté en 2011, mais il reste largement plus dense que celui que vous dénoncez en 2008 et très largement plus dense que celui que vous aviez promis à l'année. Vous allez, je le sais, avec le fait que les Boulonnais ont voté dans le cadre de cette votation. Nous savons tous qu'il y a des conquis car ils ne font pas de choix réels. Vous ne pouvez donc pas prévaloir, vous pouvez vous prévaloir d'aucune légitimité démocratique dans cette affaire, car votre vraie légitimité démocratique, vous la tirez de votre élection en 2008 sur la base d'un projet que vous cessez de couler au pied depuis, et j'espère que les Boulonnais s'en souviendront en mars prochain. Je vous remercie. Merci. Nous disposons maintenant du cadre juridique permettant d'annoncer le projet numéro 2.
Le risque est donc très grand de voir de nombreuses associations de riverains bleuets, sous-cibles de l'ex et de l'IAT3, former des recours devant les juridictions administratives avec l'effet que l'on peut imaginer sur les investisseurs. Vous me direz que les risques sont faibles, puisque de toute façon vous êtes sûr de votre bon droit. Mais comment pouvez-vous en être si sûr, puisque votre PLU de Lyon est aujourd'hui, comme vient de souligner Julie Chan, en grande difficulté devant le tribunal administratif du service de l'Oise. C'est un secret pour personne, effectivement, le rapporteur public a conclu à l'annulation de ce PLU pour des motifs qui sont des motifs de procédure et de fond qui sont tout à fait substantiels. Nous verrons ce que dira le tribunal administratif. À court terme, ne serait-il pas plus avisé et plus prudent d'attendre au moins la décision du tribunal avant de voter sur cette énième modification que vous proposez ? Merci. Merci, M. Vincent. Monsieur Martino. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais être assez rapide, parce que beaucoup de choses ont déjà été évoquées. On est là sur le sujet qui a fait qu'il y a eu du fifi dans la majorité, puisque c'est le sujet du PLU qui a fait une partie de la majorité ZEC dont je faisais partie. Nous disions à l'époque que vous engagez dans une loi où c'était un combat perdu d'avance. Les associations, les riverains s'opposeraient manifestement au projet. Je ne vais pas revenir sur les promesses qui ont été faites, mais ils nous l'avaient vraiment affirmé. Aujourd'hui, après 3 ans, on revient exactement sur la même méthode. La votation, vous avez évoqué, on va pouvoir rappeler tout à l'heure, ne représente pas la possibilité de le faire. Moi, je vous demande solennellement, ne revenez pas à nouveau le chemin de l'immobilisme. Si ce soir, ce PLU est à nouveau voté, il sera à nouveau attaqué. La conséquence, on ne pourra pas pouvoir rien construire, comme je le rappelais il y a 3 ans, sur les seuils, à part sur Aval, qui ne dépend pas du PLU, ou la cité de la du conseil général, pourra se faire. Sur l'autre partie, il ne pourra rien se faire. À partir de 2014, nous devons commencer à rembourser les crédits que vous appelez de trésorerie, nous devons commencer à les rembourser. Ça va opérer manifestement les comptes de la ville, si ce n'est pas de la Seine. La capacité d'investissement de la ville sera aussi beaucoup amputée par ces remboursements. Il faut absolument, je le répète encore une fois solennellement, trouver un terrain d'entente avec les associations, avec les riverains, qu'ils fassent consensus afin que nous ne soyons pas dans une situation complètement inondée. Je vous remercie. Merci, monsieur Gardillo. Monsieur Coyen. Merci. Je vais rompre un usage qui consiste à parler au maire exclusivement dans ce genre d'assemblée. Je vais m'adresser à vous tous. Parce que les aléas de la vie municipale font que malgré tout, vous êtes chacun entre vous comptable de ce qui se sera fait pendant les 6 dernières années. Ce qui signifie que parmi les choses qui vont m'étonner dans ce mandat qui va s'achever, fait partie le silence étourdissant que vous avez manifesté pendant toute cette mandature, c'était en ne vous opposant jamais. Alors que sur une assemblée de 40 personnes, il est naturel d'avoir des débats, des conflits, des confusions d'idées, et même de temps en temps des contradictions. Sans que pour cela, ça menace l'équilibre de majorité. Or, vous avez manifesté un silence étourdissant de la salle, nous confions de temps en temps lui-même, aux interprétations de l'autre. Cela, nous, c'est un prévenir. La deuxième chose, c'est que, puisque vous avez dit, mes chers collègues, pour tout le monde, ces années, ce que j'ai observé, c'est l'étrange parallélisme entre l'affaire du centre-ville et cette affaire-ci. Étrange parallélisme parce que, à l'origine, contestation d'un maire, puis un projet qui n'en finit plus de se renouveler, et finalement un petit orient et au chaos, jusqu'à ce que le maire, à l'époque, Jean-Pierre Foucault-Darré, efface un objet de fédération. Ça veut dire réunir toutes les contradictions pour arriver à élaborer un projet qui permet d'aider à venir la ville, d'aider à venir du projet. Or là, pas du tout. Ça veut dire que depuis le début du mandat, vous allez compter avec 3 choses. Faire des promesses électorales, on connaît l'histoire, on connaît les conseils municipaux, le connaissent. Vous allez commencer par faire des promesses, avec un projet attractif, des biens de du jardin, une animation permanente, culturelle, des ateliers artistiques, des cinémas, enfin bref, c'était un fond. Pourquoi pas, et tout, on aurait pu lutter, se dire, il a envie de faire quelque chose pour sa vie, il va le faire. Dans un deuxième temps, on a assisté à l'opération de communication. Alors c'est vrai que vous êtes un communicant, c'est un métier que vous avez exercé auparavant. Vous avez transformé le nouvel bien pour information, bannier information, qui fait qu'au fur et à mesure, vous en photo 50 fois, les projets, etc.
vous nous avez vendu à chaque fois du bureau et vous avez inauguré sans arrêt des choses qui n'ont jamais existé. Et la deuxième chose, c'est qu'au bout du compte, à la fin de la signature, à la fin de votre mandature, il ne se sera rien passé. Mais rien. C'est ça qu'on va expliquer pour vous donner. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, vous avez inauguré en terre, lancé le projet en terre, et durant toute la mandature, il ne s'est rien passé. Alors, n'oubliez pas que je suis un mauvais esprit. Ça suffit d'être comptable des événements qui se sont produits. Alors là, en panique, pour le sport, à vie, on est inférieur sur un déclassement, oui, on va faire d'autres promesses, etc., etc. Donc, il ne s'est rien passé. Alors, moi, le pronostic de cette affaire, je le connais, le principe, je le connais. Je ne connais pas les résultats des élections municipales, mais je connais le pronostic. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, vous êtes dans une situation parce que nous avons pris des comptes, vous avez contesté un projet qui était simple. Vous aviez la chance incroyable d'avoir un PLU monté à 175 mm carrés. Quels sont les trois problèmes de Google? Premier problème, l'éducation. Deuxième problème, le logement. Troisième problème, le sport. Il suffisait de faire des logements, de l'éducation et du sport. On a tous parlé tout à l'heure des unanimes, à qui ils font un lycée pour Google. On a tous parlé pour dire que le sport n'était pas suffisamment représenté à Google. On a tous parlé également pour dire qu'il manquait de logements. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le logiciel, en perdant avec la métropole le droit de l'occupation. Ça, ça on n'a pas précisé tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez perdre, dans quelque temps, si la loi est adoptée, le droit de l'occupation. Donc ça veut dire que dans trois jours, vous allez avoir un PLU de 2011 annulé. Je pense que ce serait beaucoup plus raisonnable de se
égard au conseil, et la loi, où j'étais rapporteur du Sénat, a permis que dans un rayon de 500 mètres au niveau de l'égard de l'air, il peut y avoir une construction de logement. Par conséquent, le projet de ce lien le plus musée pour le projet de bureau, de commerce, etc., c'est un projet qui peut comporter des logements, c'est une modification législative essentielle et le gouvernement actuel, après une modification de j'ai mesuré ce que je disais, j'ai eu des stratégies qui m'ont marqué, a accepté le lancement de ce premier parc de construction entre le Merci et le Conseil, par conséquent, d'ici 2020, nous sommes obligés de construire des logements dans ce périmètre de 500 mètres autour de la ville. Deuxièmement, tout le monde accepte ici de voir le point de cité fiscale dans cet environnement, qui est un élément très important au point de vue culturel, qui permet de ramener vers l'ouest les parisiens, un certain nombre d'activités musicales qui, à l'heure actuelle, sont concentrées à la Villette et au cœur de Paris. Troisièmement, comme vient de dire la ville, nous sommes attachés à au PLU qui prévoyait 171 000 mètres carrés de construction et, ce qui est encore plus important, des hauteurs qui ne devaient pas dépasser 30 mètres. Une hauteur qui s'est calée entre 24 et 30 mètres. C'est à cela que nous pouvons venir un PLU à 171 000 mètres carrés, pas beaucoup, et des hauteurs maximales entre 24 et 30 mètres de hauteur. Voilà quelles sont nos principes. Oui à la cité musicale, oui à la volume d'effet de 175 000 mètres carrés, oui parce que nous sommes obligés de faire à la construction de logements à la place des bureaux. On fait des bureaux sur le trapèze, vous avez vous-même substitué 30 000 mètres carrés de bureaux sur le trapèze, 30 000 mètres carrés de logements. Voilà les points sur lesquels je vous dis. Mes collègues vous ont demandé de retirer cette délibération en attendant la décision du tribunal administratif. En effet, vous présentez à l'instant, le maire de Charlie-Lopalie, vous présentez à l'instant, le calcul de la constructivité de 300 000 m² à 155 000 m². En fait, on va de 155 000 à 257 000, ce qui est beaucoup trop. Voilà, quel est le problème. Donc, nous voterons, si vous ne retirez pas cette délibération, bien entendu, nous voterons contre cette délibération de l'ordre. Merci, en tout cas, je vous remercie. Chacun d'entre vous pour respecter votre temps de parole. Monsieur Mougin, pour répondre. Très brièvement, monsieur le président. Je sais une chose, tout le monde se glorifie, sans prendre la loi, de ce que le rapporteur public de l'entrée de l'administratif a conclu au rejet. Je rappelle que les 50 moyens qui ont été soulevés dans les associations adhérentes, que le commissaire public, le rapporteur public en a réuni le 4, que ces 4 ont fait l'objet d'un débat assez vif, oralement devant le tribunal, certes, par la version du droit criminel qui reste souverain, quelque soit le contenu du rapporteur public, mais ce qui me fait rire, une des observations, tout en pleurant, tout en rire, c'est que le. Rapporteur public disait que l'article 24 de la loi du Grand Paris aurait dû conduire à avoir des logements. En conséquence de quoi, je requiers l'annulation du PLU de 2011. Pourquoi? Pour un retour au PLU de 2004. Lequel PLU de 2004 ne prévoit pas davantage de logements que le PLU de 2011. Autrement dit, je pense que le rapporteur public n'a pas très bien compris que nous situons dans une ZAC dans laquelle les logements étaient continentaux et que les activités culturelles étaient insulaires. Visiblement, va échapper. Pour autant, on va se lancer ici dans un débat avec des accusations juridiques. J'en passe simplement, en étant parlant, politiquement, au sens de l'efficacité, au sens noble du terme, qui échappe à certains, qu'on fasse si peu de cas du choix des boulonnais. Alors, oui, effectivement, il y a eu une votation. Oui, effectivement, non, effectivement, comment cette votation n'a pas de valeur juridique. Ce que nous voulons ici, c'est donner foi à la valeur politique. Choix des données, et les données se sont prononcées pour plein de projets. Il ne s'agissait en aucune sorte, en aucune façon, il ne s'agissait de pouvoir permettre de choisir.
choisir parmi 10 000 ou 15 000 projets. Mais autant de projets que les sélectionneurs de l'équipe de France en français, exactement la même chose. Vous appartenez à nous de dire voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous proposons, voici les options que nous proposons. Moi, il me semble que 17 500 personnes qui se sont déplacées pour que l'acte politique de voter, 17 000 personnes qui ont exprimé leur sondage, valent la peine d'écouter et valent la peine qu'on prenne le temps d'une nouvelle procédure pour leur dire non seulement nous avons voté, mais de plus, nous vous donnons l'assurance juridique aujourd'hui que ce que vous nous avez demandé de faire sera inscrit dans les termes du PLU. Voilà ce qui est respecté, le choix et le vote démocratique des Lyonnais. Ce qui nous aurait aussi été possible de faire avec le PLU voté en 2011, puisque ce qui lui permettait le choix de nouvelle numéro 2. Nous avons pris l'engagement de faire le courage de retourner devant le conseil municipal, de retourner devant l'enquête à l'enquête de l'Union pour dire voilà ce que nous voulons faire. Je signale quand même que l'enquêteur publique, dans ses conclusions, avec une seule recommandation, c'est-à-dire qu'on a un peu progressé depuis 2011, il y avait une observation de recommandation, mais il y a une seule recommandation. Et l'enquêteur publique, il a balayé d'un trait de plume chaque observation qui était faite contre la procédure et contre le projet, soulignant à la fois la qualité d'information à travers les éléments de la rotation et à travers les éléments qui étaient affichés dans le code de vie et les documents légaux qui étaient fournis à toute personne qui voulait venir les consulter. Il a balayé d'un revers de plume toutes les arguties sur l'absence de retombées économiques, etc. Il a tout balayé. Ce monsieur, ni vous ni moi le connaissions, il ne connaissait ni le maire, ni les opposants, ni les partisans du projet. En conséquence de quoi, il a rendu un rapport qui est entièrement favorable. Ce rapport est entièrement favorable à quoi? Au choix et au vote des Boulonnais. C'est ce choix et ce vote des Boulonnais que nous demandons de respecter ici. Le choix et le vote des Boulonnais, si vous ne pouvez pas la respecter, je
trapèze, dont 30% de logements sociaux, que maintenant qu'on a fait les logements sur le trapèze avec les 30% de logements sociaux, on veut nous en faire refaire et bien consommer ce gain, tout ça n'est pas cohérent et donc il ne fallait pas faire de ça déjà. Je crois que le problème il est là. Donc moi je reste très serein, en tout cas comme l'a dit Gauthier, c'est le projet ici qui est validé par les Boulonnais, qui est validé par le commissaire enquêteur, comme une enquête publique sans aucune réserve, par les temps qui courent, sans écouter M. Cohen. Vous avez vu, ok, je rappelle que le précédent PLU, il y avait 340 observations, plus de 300 observations. Cette fois-ci, il y avait 83. D'accord ? Donc ça prouve que les Boulonnais sont dans un état d'esprit, ils sont dans l'impatience de voir sortir le projet de Nice-Guin. Et leur projet, celui qu'ils ont choisi. Et c'est celui que je vais mettre au vote immédiatement. Qui est contre ce projet ? Merci. Qui s'abstient ? Merci. Il est approuvé. Monsieur Mongin, la délibération suivante. Demander la cession de copropriété qui nous appartient actuellement d'un montant de 353 000 euros.
Merci. Défenseur de parole,
Je renvoie la délégation qui est contre. Personne qui s'abstient, personne, merci.
parents et aux enfants qui se retrouvent. Tout à fait. Donc, je demande la délibération qui est contre. Personne qui s'abstient, personne qui cite et approuvé. La délibération sur le service public pour la question de la pêche pour une adaptation. Mais on avait oublié les deux parties. Voilà. Oui, le mouvement, on l'a mis en place. C'est juste un projet sur le changement de traitement. Donc, il était arrivé, c'est très chiant.
populaire, qui se rend quasiment en place de gros problèmes d'ascension, qui n'est pas clair des personnes qui peuvent accepter d'être refusées sous forme de contrat d'apprentissage. Donc, pour laquelle il y a un dispositif particulier, qui est complété par des formations en tant que possible la commission. Donc, nous estimons que cet effort que vous avez mis par la commission, c'est ça que vous avez pour le fonctionnaire. Je pense qu'également, on a l'éloignement de celle-ci du périmètre concerné. Alors, on a fait toutes les études.
le travail républicain à Noël, mais simplement de rétablir la réalité du Corama à Boulogne, qui est un site commercial très apprécié dans ce travail du dimanche. Merci. Merci.
y avoir quelques étudiants ici et là, mais n'oublie pas que le Régorama fonctionne essentiellement avec les étudiants le dimanche. Et je terminerai par ce qui a été l'organisation internationale du travail, qui a adressé un rapport pour la France. Inauguration de l'hiver, il y avait la présidente.
désormais traditionnel des Moulinets. Le kiosque est posé sans ancrage et sera financé par la société Médicacos dans le cadre d'une convention sur 15 ans, moyennant le versement d'une modeste indemnité de 150 euros, compatible avec les tarifications du Conseil général. Voilà, je vous ai demandé d'approuver cette disposition sur la table. Merci. Merci. Chers collègues, nous avons le temps de solidarité.
voilà, le dommage, la trois déclaration, la première, c'était les dons pour les legs. Voilà, pour les legs, c'était les dons, mes chers collègues. Je désire vous soumettre, à votre approbation en quelques mois de vous et maintenant, si vous êtes à la défense, intégré parmi les fonds des collections par don. Alors, ces donations sont libres de toute clause contraignante pour la ville de Boulogne-Billancourt et ont reçu préalablement l'avis favorable de la commission scientifique régionale des collections du musée de France. Il vous est demandé d'autoriser le maire à accepter ces donations. Pour revenir à M. Pourcade sur l'appellation
emploi, plus de familles démunies que certaines villes du 93 notamment, et que à plusieurs reprises, cette soirée, vous avez parlé de solidarité, de Villancourt pourrait se montrer plus solidaire par rapport à ces familles démunies. Mais bien entendu, nous voterons cette délibération comme la suivante. Merci madame, d'autres demandes de parole. Madame, je le vois qui est contre. Personne qui s'abstient, personne merci de l'approuver. Encore de la garantie pour les réseaux sociaux, M. Galland. Oui, alors en fait, cette délibération consiste en un transfert de l'entier du fait de refinancement du parquet de l'État à solliciter et obtenu passant l'emprunt des emprunts. Renouvellement du marché, on porte trois lots pour un montant d'environ 1,2 million. Et donc je vends
Personne qui s'abstient, personne, et le bébé est à la cause, on va faire des